N'a pas salué toutes les amis téléspectateurs télévision nationale d'Haïti. Nous sommes en primature. Côté premier ministre, nous avons parlé un point de presse après réunion. Il était gagné ensemble avec bailleur de fonds concernant le tremblement de terre qui passait 6 octobre dans Grand Nord. Là. Bien entendu, dans le cadre de présentation travail PM, non, donc il dit à tout bailleur de fonds et que le gouvernement a une possibilité pour eux-mêmes. La parole, nous sommes capables d'entretenir nous sous rencontre ça qui se déroule avec les bailleurs de fonds de la communauté internationale. On a salué toute la presse là et nous, depuis ça qui passe, tremblement de terre depuis samedi, hein, nous avons besoin de rencontrer la presse. Non seulement pour un point de presse et dans l'avenir, il y a des conférences, bien que je connais le ministère de la Culture qui fait conférence de presse, mais nous-mêmes, en tant que gouvernement, au niveau de commission de crise que le président a créé, nous avons bien pour nous rencontrer la presse dans la conférence de presse. Alors, depuis ça passé samedi, nous avons dépêché des groupes sur les lieux même, le même samedi soir. Et le lendemain, le président de la République là, avec moi et une bonne partie du gouvernement, nous t'es rendu sur les lieux. Et là, nous t'as visité mon nous t'as visité les parents et mon qui mourir, nous t'as regardé, nous t'as visité l'hôpital, nous t'as regardé comment travaille la marché, vu que t'es gagné des mounes qui te prennent devant, l'armée était là, la police et toute structure l'État, les unités importantes de l'État étaient présentes. Et c'est ainsi que nous arrivés pour porter secours qu'il fallait à tout le monde qui était victime de la guerre. Donc nous avons dit rapidement, nous avons gagné 15 personnes mourues, 15 décès. Nous avons gagné 333 blessés en tout. Nous avons gagné 168 maisons, 168 cailles qui écrasées. Nous avons gagné 2280 cailles endommagées et 2440 familles victimes. Donc là, nous pensons, après que l'État, le gouvernement, a fini de prendre des décisions pour lui-même premier secours. C'est nous-mêmes, au niveau du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur et des autres ministères qui ont fait ce travail qui était fait pour faire au cours de la nuit, du samedi au dimanche, pour nous porter support à peuple haïtien. Donc maintenant, nous avons le président qui a passé des instructions pour que nous soyons capables de travailler sur la question, tant du point de vue conjoncturel que du point de vue structurel. Et c'est dans le cadre de ça, nous avons dit qu'il faut rencontrer bailleurs pour nous parler avec eux, d'ailleurs présenter au bilan et montrer ça nous-mêmes nous fait en tant que haïtiens, en tant que gouvernement haïtien, comment nous avons réagi, comment arriver nous-mêmes pour des solutions, yo. Mais maintenant planifier la question structurelle et introduire nous-mêmes dans le champ d'activité que nous avons fait. Donc c'est pour ça matin, il était important que nous ayons rencontré les bailleurs. Nous rencontrer les bailleurs à un premier niveau et maintenant nous allons rencontrer les ONG parce qu'il est important pour nous rappeler tout le monde que le gouvernement ça a gagné l'autre genre de bail. Nous gagnons des structures qui campaient et très souvent nous chita et puis nous quittons une catastrophe privée, nous quittons une quantité de monde déployé et sans orientation du gouvernement, chaque monde a fait affaire par eux et nous pas voter très souvent résultat pour nous voter. Cette fois-ci, nous décidons que le gouvernement, la quimbe leadership de ça que vous faites, que le gouvernement avec structure que le gagne au niveau de, du Conseil national de gestion des risques et des désastres, au niveau de la protection civile, au niveau des coun, du coun, au niveau des coudes et des cook, nous décidons n'apkembe leadership là avec l'accompagnement de la communauté internationale. Ça que nous fait avec l'expérience que nous prenons, surtout en 2010, côté que nous avons un paquet ONG qui déployait sous terrain et personne ne sait ce qu'on a fait, nous ne voulons pas continuer dans ce système ça. Et c'est pour ça que le gouvernement ça a décidé avec instruction président que nous prenons le travail, mais nous prenons le travail avec accompagnement et bailleurs et ONG, mais ça va le faire nos disciplines qui pourront démontrer clairement que nous décidons nous-mêmes de travailler avec eux, mais que le leadership l'a prêté dans le gouvernement haïtien. Donc, nous sommes capables peut-être de répondre à quelques questions, mais le problème, c'est que nous avons deux réunions là. Nous avons une réunion à Bayeux, nous avons une réunion avec ONG qui va commencer tout de suite. Et nous connaissons, nous avons rendez-vous à 4 heures. Malheureusement, réunion ça, tout se fait dans l'urgence. Réunion ça a fait rapidement, mais nous avons quand même un petit décalage qui fait que les ONG attendent nous. Donc peut-être que je dis à nous pas prendre question, mais dans l'autre occasion, bientôt, nous allons inviter la presse. Là, nous venons faire deux rencontres, là, nous venons gagner
toute analyse qui fait. Parce que jeudi, qui s'en a fait jeudi? Nous avons un déploiement qui fait dans différents départements yo, pour nous vérifier. Après que nous finissons de faire relever avec, à travers la protection civile, le dégât. Mais nous croyons qu'il y a une série de paramètres pour nous tenir compte de eux. Parce que nous avons décidé pour nous faire gestion de la population, tant du point de vue physique que nous sommes capables de faire depuis 48 heures, mais du point de vue psychologique de la population. Je dis à gagner en sorte de psychose de peur, des mondes, des jeunes surtout, des élèves, des étudiants qui peuvent rentrer dans la faculté, qui peuvent rentrer dans l'école. Yo. Alors, nous t'es décidé, non seulement avec le travail que nous allons faire au niveau de la presse, mais ensuite avec les gens nous détachés qui sont dans l'EPPLS, dans le laboratoire national, pour aller vérifier l'état de l'école, surtout côté qui frappait très dur. Yo. Pour aller vérifier l'état de l'école yo, et côté pour nous mettre des abris provisoires pour nous continuer le travail, nous pourrons le faire. Cela va se poursuivre aussi dans tout le département, même si le département n'a pas touché aussi fort, mais nous voulons bah, tout le monde sérénité yo, et que la vie continue, j'en lié à pour personne pas peur, personne pas paniquer. Merci en pile. N'a, bientôt, dans, d'ici peut-être les 48 à 72 heures, nous allons l'inviter nous, pour nous faire une véritable conférence de presse. Côté nous avons le temps pour poser des questions, pour nous élaborer sur toutes questions et garder avec nous les réponses apportées à vos questions éventuelles. Merci et à bientôt. Merci beaucoup à tous les camarades de la presse qui sont là. Voilà, nous sommes les téléspectateurs au chef point de presse, Premier ministre Jean-Henri Séan, sur rencontre Lité Gagné, ensemble avec un bailleur de fonds. Et bien, dans la rencontre ça, PM, et bien, lui-même, lui précisé, ensemble avec bailleur de fonds, que il y a une possibilité même pour y répondre ensemble avec un besoin monde qui victime côté l'été tout présenté bilan partiel là toujours côté gain 15 décès 333 blessés 168 cas écrasés plus passé 2000 cas endommagés. Donc c'est un point de presse que l'été gain ensemble c'est une rencontre et eh bien l'été gain ensemble avec bailleur de fonds yo côté l'idi bailleur de fonds yo donc il y a tant même si gagnent étude qui fait que tremblement de terre capable répéter encore donc les gain plus gros dégâts et eh bien il y a capable toujours faire appel ensemble avec et eh bien support bailleur de fonds yo l'idi que gouvernement lui-même lui prend sous responsabilité et bien tout accompagnement qui pour faire ensemble avec victimes yo donc lui annoncé gagner décision gouvernement pral prend et bien pour porter et appui pour gagner une plus bon gestion population hein, au point de vue physique et psychologique parce que jusqu'à présent moun yo peur et peur à lui-même li rete la caille moun yo ça qui empêchait yo jusqu'à présent surtout et bien rentrer dans l'espace côté tremblement de terre lui-même il pas à faire des gars donc il a annoncé il gon rencontre que il pral gagner ensemble avec ONG surtout et bien pour éviter toujours répétition différents projets qui qu'on a fait dans le pays donc c'est surtout ça. Premier ministre a discuté ensemble avec bailleur yo et côté il pral gagner pour discuter tout ensemble avec ONG yo. Nous te content ensemble avec vous amis téléspectateurs, nous direz te brancher reste programmation télévision nationale d'Haïti. C'était Anne Marguerite Auguste avec toute équipe technique télévision 1 depuis résidence Premier ministre de la République là. Nous saluons tous les amis téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Nous sommes en primature. Côté Premier ministre, nous avons un point de presse après réunion qui a été gagnée ensemble avec le bailleur de fonds concernant le tremblement de terre qui passait 6 octobre dans le Grand Nord. Bien entendu, dans le cadre de présentation travail PM, donc il dit à tout le bailleur de fonds et que le gouvernement a une possibilité pour eux-mêmes. La parole pour capable d'entretenir nous sous rencontre ça qui se déroule avec les bailleurs de fonds de la communauté internationale. Donc, on a salué toute la presse là et nous depuis ça qui passé tremblement de terre depuis samedi hein, nous avons besoin ça rencontrer la presse. Non seulement pour un point de presse et dans l'avenir il y a des conférences bien que je connais le ministère de la culture qui fait conférence de presse mais nous mêmes en tant que gouvernement au niveau de commission de crise que le président a créé
n'a bien pour nous rencontrer la presse dans conférence de presse. Alors, depuis ça passé samedi, nous t'entendons dépêcher des groupes sur les lieux même, le même samedi soir. Et le lendemain, le président de la République là, avec moi et une bonne partie du gouvernement, nous t'étions rendus sur les lieux. Et là, nous allons visiter Mounio, nous allons visiter les parents et moun, qui mourir, nous allons garder, nous allons visiter l'hôpital. Nous allons regarder comment travaille la marché, vu que t'es des gens qui te prennent devant, l'armée était là, la police, et toute structure, l'État, les unités importantes de l'État étaient présentes, et c'est ainsi que nous arrivés pour porter secours qu'il fallait à tout le monde qui était victime de la guerre. Donc nous avons dit rapidement, nous avons gagné 15 personnes mourues, 15 décès, nous avons gagné 333 blessés en tout, nous avons 168 maisons, 168 cailles qui écrasées, nous avons 2280 cailles endommagées, et 2440 familles victimes. Donc là, nous pensons, après que l'État, le gouvernement, fin prend des décisions pour te lui-même premier secours, c'est nous-mêmes, au niveau du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur et des autres ministères qui ont fait ce travail qui était pour faire au cours de la nuit, du samedi au dimanche, pour nous porter support à peuple haïtien. Donc maintenant, nous gagnons. Président qui t'est passé des instructions pour que nous soyons capables de travailler sur question tant du point de vue conjoncturel que du point de vue structurel. Et c'est dans le cadre de ça, nous t'ai dit qu'il faut nous rencontrer bailleurs pour nous parler avec eux, d'ailleurs présenter au bilan et montrer ça nous-mêmes nous fait en tant que haïtien, en tant que gouvernement haïtien, comment nous t'ai réagi, comment arriver nous-mêmes pour des solutions. Mais maintenant planifier la question structurelle et introduire nous-mêmes dans le champ d'activité que nous avons fait. Donc c'est pour ça maintenant il était important que nous rencontrions les bailleurs. Nous rencontrons les bailleurs à un premier niveau et maintenant nous allons rencontrer les ONG parce qu'il est important pour nous rappeler tout le monde que le gouvernement ça a gagné l'autre genre de bailleurs. Nous gagnons des structures qui campaient et très souvent nous chita et puis nous quittons le yon catastrophe privée, nous quittons une quantité de monde déployée. Et sans orientation du gouvernement, chaque monde a fait affaire par eux et nous pas voter très souvent résultat pour nous dire. Cette fois-ci, nous décidons que le gouvernement, la quimbe leadership de ça que vous faites, que le gouvernement avec structure que le gagne au niveau de, du Conseil national de gestion des risques et des désastres, au niveau de la protection civile, au niveau des coun, du coun, au niveau des coudes et des coques, nous décider n'abkembe leadership là avec l'accompagnement de la communauté internationale. Ça que t'es qu'on fait yo, avec l'expérience que nous prenons, surtout en 2010, côté que nous avons un paquet ONG qui déploie sous terrain et personne ne va connaître qu'est-ce qu'on a fait, nous pas voulons continuer dans le système ça. Et c'est pour ça que le gouvernement ça a décidé avec instruction président que nous prenons le travail, mais nous prenons le travail avec accompagnement et bailleur yo. Et ONG, mais ça va le faire nos disciplines qui pourront démontrer clairement que nous décidons nous-mêmes de travailler avec eux, mais que le leadership l'a prêté dans le gouvernement haïtien. Donc, nous sommes capables peut-être de répondre à quelques questions, mais le problème, c'est que nous avons deux réunions là. Nous avons une réunion à Bayeux, nous allons prendre une réunion avec ONG qui va commencer tout de suite. Et nous connaissons, nous avons un rendez-vous à 4 heures. Malheureusement, réunion ça, tout se fait dans l'urgence. Réunion ça a fait rapidement, mais nous avons quand même un petit décalage qui fait que les ONG attendent nous. Donc peut-être que je dis à nous pas prendre question, mais dans l'autre occasion, bientôt, nous allons inviter la presse. Là, nous venons faire deux rencontres, là, nous venons gagner toute analyse qui fait. Parce que je dis à qui ça a fait, je dis à nous avons un déploiement qui fait dans différents départements yo, pour nous vérifier. Après que nous finissons faire relever à travers la protection civile de dégâts, mais nous croyons qu'il y a une série de paramètres pour nous tenir compte de eux. Parce que nous avons décidé pour nous faire gestion de la population, tant du point de vue physique que nous sommes capables de faire depuis 48 heures, mais du point de vue psychologique de la population. Je dis à gagner une sorte de psychose de peur des mondes, des jeunes surtout, des élèves, des étudiants qui peuvent rentrer dans la faculté, qui peuvent rentrer dans l'école. Yo. Alors, nous t'es décidé. Non seulement avec le travail que nous allons faire au niveau de la presse, mais ensuite avec les gens nous détachés qui sont dans l'EPPLS, dans la laboratoire nationale, pour aller vérifier l'état, l'école, surtout côté qui frappé
très dur, pour aller vérifier l'état de l'école, et côté pour nous mettre des abris provisoires pour nous continuer le travail, nous pourrons le faire. Cela va se poursuivre aussi dans tout le département, même si le département n'a pas touché aussi fort, mais nous voulons bah, tout le monde sérénité et que la vie continue, j'en lié à pour personne pas peur, personne pas paniquer. Merci en pile. Bientôt, d'ici peut-être les 48 à 72 heures, nous allons inviter nous pour nous capables de faire une véritable conférence de presse. Côté n'a pas temps pour poser des questions, pour nous élaborer sur toutes questions et garder avec nous les réponses apportées à vos questions éventuelles. Merci et à bientôt. Merci beaucoup à tous les camarades de la presse qui l'a. Voilà, mes amis téléspectateurs, vous avez suivi point de presse, Premier ministre Jean-Henri Seyan, sur rencontre l'été gagné, ensemble avec un bailleur de fonds, et bien, dans rencontre ça, PM, et bien, lui-même, lui préciser, ensemble avec bailleur de fonds, que, il y a une possibilité même pour répondre ensemble avec un besoin monde qui victime côté il était tout présenté bilan partiel là toujours côté gain 15 décès 333 blessés 168 cas écrasés plus passé 2000 cas endommagés. Donc c'est un point de presse que l'était gain ensemble c'est une rencontre et bien l'était gain ensemble avec bailleur de fonds yo côté il dit bailleur de fonds yo donc il y a tant même si gagné étude qui fait que tremblement de terre capable répéter encore donc les gain plus gros dégâts et bien il y a capable toujours faire appel ensemble avec et bien support bailleur de fonds yo il dit que gouvernement lui-même lui prend sous responsabilité et bien tout accompagnement qui pour fait ensemble avec victime yo donc lui annoncer gagner décision gouvernement pral prend et bien pour porter et appui pour gagner une plus bonne gestion population hein, au point de vue physique et psychologique parce que jusqu'à présent moun yo peur et peur à lui-même li rete la caille moun yo ça qui empêche yo jusqu'à présent surtout et bien rentrer dans l'espace côté tremblement de terre lui-même lui pas ta fait dégâts donc lui annoncer lui gon rencontre que lui pral gagner ensemble avec ONG surtout et bien pour éviter toujours répéter répétition différents projets qui qu'on a fait dans pays a. Donc c'est surtout ça Premier ministre t'a discuté ensemble avec bailleur yo et côté li pral gagner pour discuter tout ensemble avec ONG yo. Nous t'es content ensemble avec vous amis téléspectateurs nous direz t'es branché reste programmation télévision nationale d'Haïti c'était Anne Marguerite Auguste avec toute équipe technique télévision 1 depuis résidence Premier ministre de la République là.